cheveux et les ongles continuent de pousser chez les morts. Je l'ai vu de mes yeux. C'est un mensonge. Tu crois qu'il reste un peu de vie chez ceux qui sont morts depuis longtemps? Non, ce sont les vapeurs dans le cadavre. Eivor, mon ami musclé! Il y a des hommes de Wigmund près d'ici. On va les déloger. Jusqu'au dernier? Moins il y a de puces dans l'herbe, moins le chat se gratte. C'est mon avis, du moins. Comment as-tu rejoint les forces de Soma? Je suis en Angleterre depuis longtemps, avant la venue de Guthrum, d'Ivar, d'Ube. Je faisais de la contrebande à la barbe des Saxons et des Danois. J'ai menti, j'ai volé, je me suis fait casser le nez. Ma vie a été dure, mais elle m'a appris à endurer. Et tout cela en riant. Quand elle m'a recueillie, Soma a vu en moi autre chose qu'une contrebandière. Je suis devenue utile à un projet. À son projet. Peu de gens pensaient que tu étais digne de confiance. Mais elle, oui. Voilà. C'est ce que j'aime chez elle. Et j'aime tout chez elle. Tu as l'air d'apporter de la vie et de l'entrain à ce clan. C'est aussi la vie de Soma? Si je savais ce qui se passe dans la tête des autres, je trouverais la vie très morne. Mais Soma a l'air d'apprécier ma compagnie. De quelle manière? Comme elle l'entend. Et je dois bien me résigner. La vérité est moins douloureuse quand on peut rire. Se réjouir alors que l'on souffre est en soi un acte de rébellion. Qu'est-ce que tu penses des autres guerriers de Soma? Galine et Leaf? Ah, Leaf est aussi direct qu'un animal. Chaque fois, j'ai envie qu'il me grimpe comme un arbre et se blottisse au creux de mon bras. Il se dit homme d'honneur, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'honorable allumer un feu pour qu'on le félicite de l'avoir éteint. Quant à Galine, il a fait du dédain une compétence artistique. C'est sa, comment dire, suffisance qui fait son charme. J'aime discuter avec toi, mais ces Saxons risquent de quitter leur nid. Allons voir ça de plus près, toi et moi. Mes hommes resteront en arrière et ils interviendront au besoin. Combattre auprès de toi sera amusant. Heureuse d'en avoir l'occasion. Ne reste pas trop près. Tu risquerais un coup dans l'œil ou sur la tête. Tu perdrais ton bras bien avant de pouvoir m'atteindre. Je dois redoubler de prudence par ici. Plus de bruit que le Ragnarok, et ces Saxons ne t'ont toujours pas vu. Tout le monde n'a pas l'oreille aussi fine que toi. C'est bien dommage. Ah!
prêt. À mon tour. Il n'y en a plus. Ah, la solitude après le massacre. Mais dommage pour l'odeur. Ils se sont tous fait dessus. Tu t'es bien battu, Birna. C'est comme ça que tu comptes fleurer, Teyvor? Comme ça que je crois? Calme-toi, Drengre. Je te reverrai à Grand Bridge. Mieux vaut rester vigilant. La malveillance. Cette terre en est affligée. D'air qu'une tempête de grêle. On ne peut pas le laisser continuer. Tu as traversé une tempête. Tu n'en as jamais parlé. Eivor, belle journée pour prendre l'air, non? Soma a dit que je te trouverais ici, Leaf. Que prépares-tu? Nous allons débarrasser ce monde d'un prêtre qui vomit des loges pour l'Eldorman et qui remplit les coffres de Wingmund. Notre plan est de nous faufiler et étriper ce prêtre avant de retourner auprès de Soma. Wigmund sera furieux. Comment as-tu rejoint l'armée de Soma? Nous sommes arrivés ensemble sur cette île sous les ordres de Guthrum. Les Saxons nous appelaient la Grande Armée d'été.
Lorsque Guthrum est parti pour le Wessex, Soma s'est proposé pour diriger. J'aurais aimé le faire, moi aussi. Que ferais-tu si tu étais le Jarl de Grantbridge? Je dirigerais la ville à ma manière. Je ne donnerais pas autant de poids aux avis de Birna et de Galine. Tu ne leur fais pas confiance? Je n'irai pas jusque-là. C'est plutôt que Birna a les pieds dans le sol et Galine regarde vers le ciel. Si la mort venait nous frapper, je crains que ni l'un ni l'autre ne pourraient nous faire traverser cette épreuve. Tu étais là lorsque Guthrum confia Grantbridge à Soma. Comment as-tu pris cette décision? J'ai été heureux pour elle. Une fois Soma en place, l'argent coulait à flot et les gens dansaient. Elle est douée pour le commerce. J'aurais aimé avoir assez d'audace pour me proposer et endosser le fardeau et l'honneur de la gestion d'une ville. Mais quelle importance? Soma est ma Jarlskona et j'ai prêté serment. Aucun acte d'aucun dieu ne peut rien y changer. Quelles sont les qualités principales d'un constructeur de navires? La patience et l'amour. Je connais chacun de nos navires comme un père connaît ses enfants. Mais il faut aussi de l'argent. Le bois dur, les étoffes solides, les peintures coûteuses. Par exemple, le jaune que j'utilise, il vient de par-delà les mers. Un prix élevé pour une couleur joyeuse. C'est sûrement pour cela qu'on m'a volé cette peinture il y a quelques semaines. Maudit voleur. Merci pour cette discussion, Leaf. Allons tuer l'homme de Wigmund. Tu as raison. Offrons sa récompense au chien de Wigmund. Mes guerriers vont distraire les soldats saxons à la porte. Toi et moi, nous allons chercher le prêtre. Si l'on me voit, je suis en danger. Les méthodes plus directes. Mais pour toi, je veux bien essayer autre chose. Merci. Maintenant, parle moins fort. Oui, on m'attaquera à vue par ici. Le prêtre de Wigmund est dans l'église. Devenir ami. Eh bien, je suis peut-être un païen aux yeux des Saxons, mais cette église est jolie. Je sais reconnaître le travail bien fait. Ah.
songes de ce prêtre n'empoisonneront plus le comté. Mieux vaut repartir. Bien joué. La question de l'homme de Wigmund a été vite réglée. C'est vrai. Tu as fait la preuve de ton utilité. Je te retrouverai à Grand Bridge. Eivor, ça a marché. On a capturé un des capitaines de Wigmund. Il reniflait du côté de Duroly Pond. Rappelez-vous qu'on n'a pas besoin de le tuer. Amusez-vous. Moi, je vais préparer notre prochaine action dans la Maison Longue. Alors, petit garçon, il se cache où, ton papa? Sa tête de païen. Grand Bridge est la province du seigneur Wigmund de Walden. Cette ville lui appartient. Pauvre soldat. Il ne sait pas ce que font les païens aux hommes de Dieu. Il ne connaît pas toutes les histoires. On va lui faire son éducation. Regardez-moi ses mains. Elle ferait une bonne paire de gants. Et son cœur? Une famille aurait de quoi manger pendant une semaine avec un cœur de cette taille. Qu'on lui coupe plutôt la gorge, de quoi arroser les vergers avec son sang. Mon Dieu, non, non! Il est sur l'île d'Eli, l'Elderman Wigmund, au monastère, je le jure. Je pensais que ça durerait jusqu'à demain matin. Bon, on le ligote et on le laisse ici. Maudite demeurée de Danois. Le Seigneur vous chassera de ces terres. Tous, que Dieu ait pitié de... Le serpent aurait pu nous jeter un sort. Je n'aime pas prendre de risques. Les chrétiens ne font pas ça. Wigmund est sur l'île d'Eli. Je vais annoncer à Soma ce que nous avons appris. Qu'avait à dire le petit homme de Wigmund?
Wigmund est au monastère de l'île d'Eli. Il se cache chez les rats d'église. Il faut que je prépare notre attaque, mais je ne veux pas l'affronter tant que je risque une trahison à son profit. Alors, qu'as-tu appris ? Leaf critique ta manière de diriger Grand Bridge. La ville est prospère sous mon commandement, notamment en tant que port pour ses navires. J'ai trouvé un tonneau de peinture jaune, vide, près d'un site de mise à l'eau. Cette peinture a servi à marquer un navire la nuit de l'attaque. Étrange moment pour passer une couche de peinture. Mais c'est son métier, non ? J'ai trouvé un message adressé aux forces saxonnes. Il disait de ne pas attaquer un navire peint en jaune. Nos navires n'utilisent pas de jaune, sauf pour quelques menus détails. S'il y a un navire jaune dans les Fens, je veux le savoir. Voilà toutes les preuves dont nous avions besoin, je crois. Tu as été minutieuse. Ainsi, qui m'a trahi ? C'est Leaf qui t'a trahi. Tu en es certaine ? Ce sera la chose la plus dure que j'aurai jamais faite. Reste près de moi, Eivor. Je vais avoir besoin de toi. Comment comptes-tu régler cela ? Comme le fait un chef. Ma famille, mes proches, aujourd'hui, nous faisons en sorte que ce qui est arrivé ne puisse jamais se reproduire. Nous allons tuer Wigmund. Mais pas tous ensemble. Nul ne peut survivre à l'hiver avec un rat dans le garde-manger. Leaf. Tu m'as trahi, Leaf. Soma, ce n'est pas vrai. Un homme, un vrai, ne se serait pas laissé gagner par la jalousie, au point de sombrer dans la folie et la destruction. Mais toi ? Chacun de nos morts, amis ou frères d'armes, a été massacré parce que tu convoitais ma place. Je ne fais que te servir, Soma. Je ne trahirai jamais mon clan, ma famille. Je suis un homme d'honneur. Et d'ambition. Wigmund t'a éloigné de nous bien avant que je ne lève ma lame. Qu'on emporte son corps. J'ai l'impression d'avoir arraché mon propre bras. Wigmund mérite la mort, mais le tuer ne reconstituera pas toute ta famille. Tu crois que je l'ignore ? C'est pour les autres que j'ai fait ça. Me suivre, c'est prêter serment. Le briser, c'est souffrir. Nous camperons à proximité de l'île d'Eli. Retrouve-nous là-bas. Elle porte sur une épaule le fardeau du commandement, et sur l'autre ce qui la lie au sien. Maintenant qu'un de ses poids a disparu, elle marche de guingois. Il va falloir des années de labeur pour retisser ses liens. Et un poids a disparu. Elle est plus légère. Un chef n'est pas un ami, Eivor. Son tort était de penser qu'elle pouvait être les deux.